Bon, pour cette vidéo, on va traiter d'un sujet, les femmes fontaines. Si vous regardez beaucoup de vidéos sur internet, des articles et autres, beaucoup vont vous parler de catégorie de femmes fontaines. Alors déjà, c'est une erreur de parler de catégorie de femmes fontaines. Il y a en effet une catégorie de femmes qui ont rencontré des hommes qui connaissent la technique pour créer l'effet fontaine. Et il y a une autre catégorie de femmes qui n'ont jamais rencontré d'hommes qui connaissent la technique pour créer l'effet fontaine. Maintenant, pour la suite, je vous conseille de mettre vos bottes, votre caouet et sortir votre parapluie parce que ça va mouiller. Et pour les meilleurs d'entre vous, je vous conseille même un tuba. Bon alors, cette fameuse technique fontaine, qu'est-ce que c'est? Bon, si je devais vous expliquer comme ça, sans faire de démonstration particulière, je vous dirais que c'est une stimulation très très rapide sur une zone très très précise à l'intérieur du vagin. Donc ça, vous pouvez le stimuler aussi bien avec les doigts qu'avec la bite. Personnellement, je trouve ça plus facile avec les doigts et beaucoup plus difficile avec la bite. Maintenant, quel est l'effet que ça procure chez la fille? Ça procure deux effets. En premier lieu, elle va éjecter un liquide en quantité plus ou moins grande. Et ça peut faire comme de l'eau qui s'écoule, comme vraiment un geyser. Le truc à faire, si on ne veut pas ruiner le lit, c'est de mettre des serviettes, mais vraiment plusieurs couches de serviettes pour bien absorber parce que ça peut envoyer. Ou sinon, faire ça dans la baignoire ou sous la douche. Mettez des éponges un peu partout, des serpillères, ça devrait aller. Autre sensation chez la fille, quand j'ai interrogé les filles sur lesquelles j'ai fait ça, elles m'ont toutes dit que ça faisait des sortes d'explosions à l'intérieur d'elles. Des sensations de fou. Par contre, toutes m'ont dit que ça ne ressemble pas du tout à un orgasme. C'est vraiment différent, c'est une sensation différente. Mais ça leur procure une sensation de dingue. Elles sont comme ça, accrochées au lit, comme si elles allaient s'envoler. Alors je leur dis, mais tu peux lâcher le lit, tu t'envoleras pas. Mais non, elles sont comme ça, elles s'accrochent. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur le mythe des femmes fontaines, ou plutôt la technique fontaine et l'effet fontaine. Une dernière chose, bonne baignade.